Eh bien, voilà, je viens de quitter le petit village où j'étais posé avec ma pépette depuis quelques jours, qui s'appelait Valfonda de Santa Ana. Donc, c'est un petit village qui se trouve à côté de Huesca. Bon, voilà, c'est là à une cinquantaine de kilomètres de Saragosse, pour vous situer à peu près. Et puis là, ben, direction, donc au-delà de Saragosse, je vais en direction de Madrid cette fois-ci. Je ne vais pas à Madrid tout de suite, hein, on va y aller dans quelques jours, mais pas pour l'instant. On va se poser, il y a de belles choses à voir entre temps. Hein. Certainement au niveau naturel, j'ai vu qu'il y avait un gigantesque lac quelque part, donc on va essayer de voir ça de plus près. Et puis, ben, comme toujours, on vous fera profiter de ce qu'on verra de bon, avec la petite, on répète. Allez, bonne journée à tous. Présente mon spot du soir. Alors, ça fait le spot du jour plutôt. Alors là, je suis à mi-chemin entre Saragosse et Madrid. Donc, il y a quelque chose de pas mal par là. Et je me suis posé à côté. Attendez, je vais vous faire voir ça. Et regardez un peu où l'on est. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. Et ça, c'est qu'une petite partie du lac. Je vais vous faire voir le reste. Voilà, donc là, vous voyez le camping-car.
Voyez Georges, et là regardez un peu. Regardez un peu ça, cet endroit. Vous allez voir, on a une vue, elle n'est pas 360 degrés, mais pas loin. Pas loin, il y a encore un bras là derrière à droite. Trop chouette. Voilà, j'ai trouvé ça sur Park Fortnite. Hein. On me demandait pas le nom du lac, je vous le mettrai en dessous, mais je regarderai ça. Et pour l'instant, je ne sais pas trop. Voilà l'engin, le droit. C'est pas mal, hein, quand même. Là-bas, à droite, une espèce de camping. Il y a des vannes et des camping-cars assez maniables qui ont réussi à descendre là-bas en bas. Moi, je m'y aventurerai pas parce que je sortirai pas. Mais je m'en fous, je suis sur les hauteurs et qu'est-ce que c'est bien. Allez. Elle aussi, elle aime beaucoup. Alors, petit matin tranquille sur notre super spot. Alors, vous voyez, moi, un gros van, camping-car espagnol. Vous voyez, là, c'est le grand calme. Ici, vous avez un van aussi. Et il y en a encore un là-bas, tout au fond. Ils sont bien cachés là-bas dans les arbres. Ils sont tranquilles. Franchement, c'est peinard. Hier, c'était un petit peu agité l'après-midi, hein, parce que c'est une balade dominicale pour les gens du coin. Ils viennent, ils se posent, ils profitent du paysage. C'est chouette. Après là, il y a une ancienne carrière, on dirait, tiens. Ah ouais, exact. Ah voilà, le coin est vraiment toujours agréable. Vous voyez, le temps est toujours magnifique. Et espagnol, quoi. Mais si vous voulez de plus. On n'est pas bien là, je crois que je vais rester la journée et ce soir encore.
Regardez-moi ça. Elle est pas belle la vie. Nous sommes le 1er mai et je suis toujours sur mon spot. Et regardez, il n'y a que moi. Je suis tout seul pratiquement depuis ce matin. Elle est pas belle la vie. À bientôt.